La demande de départ, bah, c'était simplement sur l'ancien site des Forges, de réaliser un lieu de convivialité, une salle de spectacle et une salle des fêtes un petit peu polyvalente. Quand nous sommes arrivés, bah, nous avons pris mesure du site et réfléchi un petit peu à la relation patrimoniale qu'on pouvait faire entre les vestiges de l'ancienne forge, les anciens bâtiments des forges, qui étaient des bâtiments industriels assez importants, et puis la nouvelle construction. On a mis cette architecture dans l'empreinte même des anciennes ruines et d'une façon un petit peu similaire à celle d'un bâtiment industriel. C'est-à-dire on est venu en force mettre cette espèce de grande boîte métallique. Alors métallique évidemment, ça, en utilisant l'acier prépatiné de façon à renvoyer à l'histoire du site et de cette ancienne fonderie. Et puis à l'intérieur, ben, c'est un lieu complètement différent puisque c'est une espèce d'écrin en structure bois, comme l'intérieur d'une boîte à musique. Et c'est un petit peu ce dialogue entre ces deux dedans, dehors, deux pots architecturales qui fait le projet. C'est une prise de mesure un peu respectueuse. On s'est mis à distance, un petit peu quand même. On est un peu en retrait d'1,20 m des murs existants. Pour instaurer un peu cette tension architecturale. Et puis en même temps, la scène s'ouvre aussi en arrière pour investir le reste des vestiges qui existaient de la fonderie et donc peut permettre des spectacles qui, avec un dedans-dehors, c'est un peu ça c'était encore un choix important pour nous dans ce projet, de prendre la mesure complète un petit peu des vestiges d'anciennes fonderies.